C'est code. C'est ça. C'est venu prendre l'argent, la money. C'est ça. Nous sommes là au calme. Quand nous ne sommes pas sur Facebook, nous faisons nos clics. Ce qu'on nous repose là sur la toile. On fait ça quand nous ne sommes pas sur Facebook. C'est ça. C'est ça. Un mineur, il a dit Mandiata, dis-nous pourquoi, depuis que tu étais parti. Oui, mon grand frère. Ça t'envoyait donc alors de faire du sale. Même à ta propre co, tu avais dit quoi? J'ai fait écouter. Donc, tout ce que j'ai toujours eu à dire ici, que tu avais accepté la réconciliation là, tandis que tes choses là ne voulaient pas de ça. Ok? Même les abeilles ne voulaient pas. Mais toi, sur la vie de mes enfants, je t'avais appelé. Ok? Une fois, Flo avait framponné Nancy, t'es dit, madame. Oh! Ça framponné me sentait, dit, attends, oh! C'est quoi le désordre? Tu nous avais dit quoi? Donc, arrête ce que tu fais. Tu es en train de pourrir. Tu es une femme, hein? Lui, c'est un homme. Ok? C'est un homme. Toi, tu es une femme. Ça veut dire, tu continues à nous démontrer que oui, toi, on ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas marcher avec toi. Même quand Magina Kenkam était parti intervenir chez la baronne de Suisse, je suis allé lancer en direct l'Elysée d'Akourou. Je vous dis, je suis dans partout là où vous êtes, en caïman. Rien de son là ne savent ni lire ni écrire. Babou ménage, Wabodé. Tu fais quoi? Tu passes le temps à venir pleurer là sur la toile, qu'on t'a fait ceci, on t'a fait... Non, on ne te fait rien. Tu pleures ta propre vie. Ce que je te dis là, tu pleures ça. Oh, ah. Donne-moi un peu. Hein? Tu fais des camions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah non, mon grand frère, les vieux là ici ne veulent même pas m'amener au restaurant. Quand je disais que oui, hein, tu partais là-bas là pour caresser les calvicies des vieux Watt. Ouais, parce que toi, hein, t'as plus de coups de rein. Tu les caresses les mains. Hein? Mon grand frère, j'avais dit ici là que oui, quand tu as insulté Lolo, Veuve Joyeuse et Wolo Minga, qu'elles sont parties faire la pute au pays, tu comprends? Ils ont organisé un truc. Tu es parti à l'aéroport, tu étais là comme un petit chimpanzé. Hein? Toi aussi, Wakada, quand tu es, et c'était fini. Tout ça là, c'est le grand frère qui voulait te mettre, tu comprends? Non? Oui, c'est le. Mais pourquoi? Aujourd'hui. Tu viens dire que oui, le grand frère. Voilà aussi, c'est partout, c'est versé dehors. C'est versé là où tu framponnes ta propre co. Que tu dis, mon grand frère, laisse. Hein? Je veux l'envelopper. Mais, hein? Ça veut dire, frère de l'île a quitté Mamim Boma. C'est toi qui es devenu Mamim Boma. Tu dis que mon grand frère, laisse. Hein? Ne sois plus pour la framponner. Non. Laisse. Je suis en train de l'envelopper. Ça veut dire qu'on peut sortir. Fleur de Lille, vous les femmes, vous qui êtes mariées, même si vous êtes là-bas, là, chez elles, n'ouvrez pas la porte. Le poisson ne fuit pas l'eau. Le poisson, je suis encore plus mignon quand je suis debout. Là, je vois les réactions. Le poisson ne fuit pas l'eau. Si Mandiata est né mauvaise, avec un mauvais esprit, moi-même, mon église, est-ce que je peux soigner ça? Est-ce que je peux délivrer ça? Mandiata est pourri de l'intérieur, hein, extérieur, en tout. Ah non, maman. Passe, attention au vent. Quel vent? Aïe. Mandiata, tu es en train de pourrir ton blog. C'est toi qui pleures. C'est toi qui dis ceci. Le grand frère là, j'aimerais savoir. Avant sa maladie là, il se comportait comment? Est-ce que il était sur la toile, hein? Comme quand tu es devenu sa petite sœur? Parce que tandis que Frédéric était là, Marco, mais mon ami, tu es en train de dire à ton grand frère que laisse, ne calcule même plus. Je suis en train de l'envelopper. Hein, je profite de ces abeilles. Et surtout quand je vais aller au pays, je fais ceci. Mandiata, une femme, tu dis que tu es propre, tu es chez toi, tu es quitté chez Compsor. Maintenant, les enfants de Maman Pépé, tu nous proposes quoi là-bas, là, chez les enfants de Maman Pépé? Tu nous proposes quoi? Comme tu dis que tu as la chargée du village, c'est toi qui veux les gens pour venir te donner les sous pour aller aider tes orphelins à nous, maman. Toi-même, tu produis quoi pour dire à ces gens-là que, regardez, voici ma part. Est-ce que toi-même, tu as mis un biais pour flatter les gens que voici ma part, aider les,
aider Abba handicapé, Abba. Non, non, non. Dis-moi. Hein? Tu viens sortir les vases. Tu ignores quand tu étais là-bas là. Tu ignores quand le grand frère là. Hein? Appelé, ça dit, bon Jean Bono. Pour venir contribuer. Pour que tu partes faire ta vie au pays. Pas pour les orphelins. Disons-nous des vérités parce que tu as ton vieux clou là-bas dans le pays qui a une 4x4. La tôle de ça. Les prêts de ça. Il faut boire quoi. Tu pagnasses là-bas là. Parce que vous profitez des gars du pays. Parce que ici, les gars que vous êtes avec, hein, ils ne vous respectent pas. Cyril ne te respecte pas. Tu es obligé d'aller chez ton boutoukou au pays. Ok? Au pays gnasse. Avec les histoires que oui, les orphelins, hein, nous, ma teka, c'est mes sympathisants, hein, mon programme est surchargé. Vous savez, quand je pars là, je vais d'abord au bout, après je vais en fou, après je vais au centre des jeunes, au centre des handicapés, après maintenant là, le gros long plan, il y a des constructions au pays que quand on filme le Cameroun, il y a beaucoup de biens de Waka. Mais toi, tu veux dire faire quoi ici en Bengue? Non, disons-nous des vérités vivantes là où tu veux toujours. Tu es venu faire quoi ici en Bengue? Tu sais lire, tu sais écrire. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Ok? Et que tu arrives à destination, tu ne vas pas te débrouiller comme les nous autres. Non, disons-nous des vérités vivantes. Où toi, tu m'en dis 50 euros. 50 euros, mon grand frère. Tu crois que nous qui avons ça? Hein? Et ce que toi, tu nous fais écouter là? Hein? On va poignarder le grand frère? Bah non. La femme. Ok? Quand une femme est mauvaise, ok? Ça peut continuer même les hommes. Même des hommes réfléchis. Même monsieur Messang là était victime. Parce que quoi? Tu avais dit à monsieur Messang que je te soutiens avec ma tête cassée. Et pourquoi ça ne va pas venir te parler? C'est pourquoi ça ne va pas, hein, pas être avec toi au téléphone chaque temps? Fais-nous aussi écouter pour toi. Pour toi. Quand tu faisais écouter pour monsieur Messang. Et en plus, tu faisais quoi? Quand c'est toi qui commences à parler, à nous, maman. Vous savez, je ne sais ni lire ni écrire, non? Voilà, je profite, on m'envoie les vases, hein? Donc, oui, tu ne sais ni lire ni écrire, mais toi aussi, tu as envoyé les vases, et c'est ça qui est aussi dehors. Bête! Je n'ai jamais vu une Camerounaise aller sur le bloc camerounais. Les Ivoiriens. Oh, Thierry. Et Thierry, pourquoi Thierry, tu ne vas pas partir? Toi-même, regarde, hein? Hein, ta petite minette, regarde toi-même Thierry, hein, tu dis que tu es ceci, Thierry, tu es le pote des Collins, ok, tu es le pote des Collins, parce que bon, les Collins, hein, c'est pas mon niveau, les gens que moi j'ai accueillis au HAF, je ne traîne pas avec, donc Thierry, tu étais le collègue, que ce soit Elanga, le président de la réunion de Michel et Somba, ça veut dire, ici au Havre, Thierry, tu sais que bien, qui est de Komamougou. Mangzata elle-même sait qui est de Komamougou. Je t'ai déjà parlé. Même si c'est que quoi? Tu rafissons les sous et qu'on sort. Protège ton image, Thierry. Protège, parce que celle-ci, maître, Mangzata, Thierry, n'oublie pas que c'est dans la maison, à domicile. Ok, ça va tourner les reins. Elle avait encore les coups de reins à cette période-là. N'oublie pas que c'est celle la mère. Tu comprends? Réfléchis mille fois. J'ai dit, Thierry, si les mandats sont arrivés sur Havre, c'est grâce à tes amis, les Collins. Est-ce que tu comprends? Les Collins, c'est moi, je les ai reçus ici au Havre. Ça sortait de l'Hollande. Tous les bons ailleurs, quand ils arrivent au Havre, c'est bien. Parce que, toi qui cuisines l'intérêt des animaux là, Abo Boyo, Aminem, il faut bien les nettoyer. Est-ce qu'elle a donc alors le temps, Thierry? Hein? Les petits bobos des animaux là, tu prends ça dans ton belet, hein? Toi-même regarde une femme. Comment on peut insulter ta femme matin, midi, soir? Il y en a mangiata. On a même donné 50 euros. J'ai même appris que dans le camion, hein? Même quand elle demandait, les détractrices avait dit au client que quand vous partez dans le camion rouge là, hein, si elle vous demande 50 euros, donnez 5 euros, elle ne va pas non. Eh, c'est ce qui s'est passé. Baba Gouchou, big up, bon appétit. Henri Pierre Kinoto, big up, bon appétit. Donc Mangzata, tu es en train de souiller la femme. Oui, comment, quand ton grand frère t'a envoyé pour faire du sale,
Hein? Donc tu veux parler, nous dire que tu ne refusais pas parce que on est mendiante. Ah non, ma 50, mon grand frère, s'il te plaît. Voilà, envoie moi-même 50 euros parce que les vieux ici là, ça ne m'amène pas au restaurant. Et toi, on faut toujours qu'on te ramène. Hein? Et tu dis que tonton respire encore. Tu dis que tonton respire. Hein? Une femme ici en Bengue qui demande les oranges, qui demande les cerises, qui demande tout. Alors que tonton, tu dis que tonton respire. Ouais. Hein? Ouais. Ok. Les Joséphine Logan, l'aide comme la vie de décès. Elle est obligée pour se faire voir. Parce que beaucoup en ont cherché des abris là. Il y en a qui sont à Batekase, il y en a qui sont chez les Lolomayang, il y en a qui sont chez les abeilles, il y a des ratés là. Même quand les personnes, hein, les leaders veulent faire bonnes choses, hein, ça casse ça. Et compétition, tu as échoué de partout. Même pour transformer ta silhouette, tu as échoué. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Est-ce que c'est encore les doigts d'un être humain ça? Hein? On dirait dans des films, voilà, je ne sais pas. Hein, Missigla, là, dis-moi un peu compression, quand tu viens faire écouter, c'est toi qui as fait comprendre à ton grand frère que oui, j'aimerais savoir avant sa maladie, est-ce qu'il était comme ça? Ok? Parce que depuis qu'il s'est associé à toi, ma petite soeur, ma petite soeur, tu nous as pas fait quoi? Tu nous as insulté, moi si comme ça là, tu as traité mes dents si, hein, qui mâchent encore la viande avec os. Mon croix en écrasant les os, mes dents si. J'ai encore mes dents. Ok? Mais toi, t'en as plus. Ok? Et j'aimerais aussi savoir comment tu avais fait pour perdre ta belle dentition, pour avoir les dents de cuir dans ta gueule. Ça dit, toi, on te fait tout. Tout. Tu n'es pas autonome. Hein? Tu n'es pas autonome. Je suis persuadé que même quand un Joe te gnasse, même quand vous venez dans le bloc camerounais, hein, mais Kalga avec les femmes, il y a une catégorie de femmes quand, hein, toi, l'homme, même si tu as un gros code blanc, hein, tu pars, tu ramènes les milliards. Si tu as la carte de compresseur, ça va tuer ça. La poisse, la poisse. Une femme, regarde-toi. Tu es ici à 20 minutes de moi. Hein, à 20 minutes. À 20 minutes. Tu es là. Toutes tes photos, tes vidéos, que ce soit les remembers, tu ressembles à quoi? Tout simplement à la maladie. Ouais, compresseur, tu ressembles à la maladie. Tu comprends? Arrête les histoires que tu vas venir dire que les vases. Faut aussi écouter pour toi parce qu'il ne parlait pas seul. Hein? Il ne s'envoyait pas les vases. Oui. C'est sûr que quand il t'envoyait un vase, toi aussi tu répondais. Et c'est ce que nous avons. Là où tu finis avec fleur de lune, tu dis à ton grand frère que non, je suis en train d'envelopper celle-là. Laisse, je suis en train de l'envelopper. Eh, compresseur, le combat c'est un. Tu as indemne. Tu as l'os. Je veux te dire, lui c'est un homme. C'est un homme. Et en plus, tu as fait la talakou du grand frère. Oui! Tu as fait. Tandis qu'on disait que non, le grand frère comme ceci, comme cela, tu disais que, de comment me goûter, dents pourries. Wow. Voilà ça. Ouais? Tu as dit que tu soutiens le Lofoja. Moi aussi, je soutiens Monsieur Messang. Dans ce combat-là, j'ai d'abord cassé vos histoires. Tu comprends? La belle Samé, la nièce, Anouma, malade! La tante, malade! Oh! C'est comme si vous étiez en train de dire au revoir à la terre. Parce que vos comportements là, c'est comme si vous étiez en train de dire au revoir à la terre. Les Dougoutiri, Monsieur Messang s'est détaché. Monsieur Messang s'est détaché. Et nous avons vu comment, toi, Mangzata, Isakam, il y a une là, et Anouma, celle-là, elle est comme un gros caillasse. Si c'est milliardaire, j'ai vu là-bas là chez Napoléon. Bebola, elle est assise là, à nous doux, à nous ngoum, hein, à nous ngoum. Elle était là, elle aussi. Hein, elle vient des gens, elle insulte les mamans des gens, elle insulte les enfants des gens, elle insulte les mères des gens, elle insulte. Parce que, comme actuellement, Nicole est en train de lire là, bientôt, elle va devenir, je ne sais pas si c'est pasteresse. Ça veut dire, tous les matins maintenant, Seigneur Jésus, hein, Seigneur Jésus, attendez, la dépression. Quand tu, ça veut dire, compresseur, comme tu dis que monsieur me sent t'envoyer, c'est comme ça aussi que tu as envoyé Isaac Amo. C'est ça. Il fallait la boucler parce qu'on sait que tu n'es rien du tout. Même ta copine m'a gêné comme elle sait très bien qu'à Unibiloro, ou alors s'il faut me manquer dans certains détails, on dirait qu'elle a pitié de toi. Hein?
Elle a pitié de toi, c'est pour ça. Elle, toi, doit changer. Et nous ne voulons plus. Mais un donne, tu appelles les noms. Abe Lolo Fodjao, Abe Frère Lilo, Abe, comment il y a encore qui là? Beledi Ponso, parce que tu sais très bien que c'est les personnes qui sont un peu comme ça avec Monsieur Messang, ton grand frère. Ayanani, il a un compresseur. Ayan, tu comprends? Je ne sais pas. Tu as déjà une calvitie là-bas, là, parce que ta silhouette a perdu. Ok? A tout perdu. Tu comprends? La maladie. Compresseur, tu vois même ta tête? Arrête les histoires que vous mettez sur vos nids de cul, ça, pour cacher. Tu as une tête mal formée. Ça dit mal formée, mal finie. C'est comme la petite race de pommes de terre, là. Tu comprends? Ou ni yel. Tu comprends? Tu n'es pas cette femme-là qui peut venir là sur la toile, venir dire que oui, monsieur me sang. Mais pourquoi tu prenais son argent? C'est toi qui es parti voir me sang. Tu as dit à monsieur me sang que je peux être, je peux être en plus avec ma team. Nous avons vu. Vous avez traité les femmes ici de waka, de ceci et de cela. Ok? Alors que toi-même, waka, toi-même sale, parce que ta poire déjà perdu des philosophies. Ah oui. Regarde tes doigts. Regarde tes phalanges. Regarde. Parfois tu es rose clair, on voit les os. On voit les phalanges, on voit tout. Avec les insultes. Comme l'éducation de nos parents, autant. Pour que tu comprennes, parce que chez vous ici, quand on parle doucement, vous ne comprenez pas. Il faut que vous boum les mina. Et vous voici l'an. Et vous wobi l'an. Et yani l'an. Tout ça là. Pour que Miriam là, hein, le pasteur est fâché. Waouh, ouais. Eh, Anou Amade, comment vous goûtez? Noël Abouessourou. Big up. Non, je vais faire Madame Talakou. Voilà. Un big up. Voilà, à la magie des magies. Frédéric, c'est pas toi. Voilà, tu sais, ici, dans cette église, il y a une magie des magies. Il y a une jacounaise. Il y a une cerveza. Ok? Voilà, cerveza. Lui, cerveza, il y a un nana là. Hein? Quand il faut taper, elle tape. Quand il n'y a rien à dire, voilà, elle est là en caïman. Ok? Vous qui avez dit que mon, de comment mougou? Hein? On envie ton entourage. Oui. Qui n'a pas encore dit cela que de Kamamougou, hein? Ton entourage. J'avais ton entourage. Non. C'est ça. De Kamamougou, il ne va pas en chasse. Les gens viennent parce que de Kamamougou a de l'humour. De Kamamougou, même quand il framponne, hein? Même toi-même que de Kamamougou framponne, hein? Si tu as ça, tu vas comprendre que oui, c'est l'éducation ancienne. Oui, des parents ont que de respect aux autres femmes. Hein, tu viens nous dire que oui, hein, venez écouter. Et en même temps, tu demandes aux gens de partager, non, réagissez. On va mettre les cœurs dans quoi? Hein? C'est du réchauffé. Tu nous as fait écouter ça. Hein? C'est que monsieur Messang avait demandé. J'ai dit très bien. Monsieur Messang, Flore Lille, quand tu te réconcilies avec compresseur, tu framponnes Nancy, et après tu framponnes monsieur Messang. C'est là où vient le voice de monsieur Messang. Que, dis à ta copine, de me laisser tranquille. Ok? Parce que la mauviette, tandis que l'église était là, qu'est-ce qu'il y a? Hein? On framponne ton grand frère et ta co, c'est quelle réconciliation ça? Quelles sont les bases de la réconciliation? Mais monsieur Messang, a framponné Nancy, tu as bouclé. Ça a framponné, Frédéric a framponné Nancy, tu l'as bouclé. Parce que tu attendais les sous des abeilles pour aller au pays chez les orphelins. Aïe, 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 avec ce mensonge-là. Tu comprends? Nous ne voulons plus de ça. J'ai dit, je m'attaquais d'abord quand tu étais chez monsieur Messang, avec toi, beau jambonneau. J'avais bien dit, le bateau de sorcellerie, ok, c'est Messang qui tient le bâton. Mais aujourd'hui, j'ai compris que lui-même, il était mougoutisé. Il avait peut-être cru que oui. Hein? Si tu ne peux pas voir monsieur Messang, tu dis à monsieur Messang que bon, voilà, comme vous parlez derrière, voilà, tu peux être un soutien avec ma TKC. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Si il a besoin de quelque chose, ça va t'appeler. Si je viens vous dire aujourd'hui que regardez ce que mon grand frère faisait. Et pourquoi tu ne disais pas à ta comagina Kinkam que toi aussi méfie-toi de ces messieurs-là? Pourquoi tu ne dis maintenant tu appelles Lolo Fodia? Et ben là, ben ceci. Non. Weka, oui. Tu sais là où tu iras? Ouais, Yembenti. Je suis à 20 km, à 20 minutes de toi. Bientôt, je vais venir faire les diètes à l'ambassade. Et c'est là où tu vas comprendre que
Ton entourage, c'était d'abord mon entourage. Et c'est toujours mon entourage. Rouen. Rouen, c'est ici. Thierry, il était ici au Havre. Avec les colises. Ok, il raquait les murs ici. Avec les gens que j'ai accueillis. Ils sont qui connaissaient qui était de la Hollande. Avec sa femme. Il y a beaucoup. Ok? Il y a beaucoup de Bosniens qui sont arrivés ici. Et il y en a même. Même celui qui avait organisé la fête jusqu'à. C'est moi qui rentre dans la métallurgie. Bosniens. Donc, au Havre, tu sais que bien, que ce soit toi, Flo de Lille, que ce soit toi, Mangiata, que ce soit toi, Thierry, que ce soit vous là, vous savez qui est de Komamgou au Havre. Venez à la gare, demandez de Komamgou. Tellement on va vous dire que oui, il est là ou bien il est en mission. Vous allez arrêter ça. Faut que ça s'arrête. Je vois Flo de Lille. Elle dit que, mais Flo de Lille, mais elle veut quand même te dire une vérité. Tu sais que tu es ma femme virtuelle. Ton dernier tour en Tunisie, là, il ne fallait pas toucher les lèvres. Il ne fallait pas toucher. Ouais, que toi, la femme, si. Les lèvres, là. Hein, comme les tomates qu'on fait, les tomates faciles avec. Hein, c'est quoi même le délire? Vous voulez. Attends, oh, arrêtez-moi ça. Hein? Qu'est-ce que vous êtes en manque de confiance? Hein? Qui vous dit qu'une femme est laide? Hein? Je vous dis, les Européens réfléchissent aux petits soucis des sociétés. Hein? Ils ont commandé des petits accessoires. Quand vous sortez aussi, si vous voulez faire vos directs, mais man bois. Hein? Et vous. Bête! Mais c'est ainsi. Hein? Je vois Frédéric, tu as déjà des lèvres là comme la tomate facile. Il y a Benjina Flo. Hein? C'est normal ça là. Hein? Et tu viens là, tu joues les dangereuses. Au lieu, il a dit que ce que tu dois considérer, c'est là où ta codica. Mon grand frère. Ne prononce même plus celle-là. Laisse. Tu ne vois pas que je suis en train de l'envelopper. Ah non, ma compresseur, tu as quel corps pour envelopper Fleur de Lille? Hein? Dis-moi, regarde un peu la chair de Fleur de Lille. On en a comme les poissons fumés d'Élise Battante. Pire même que les poissons fumés d'Élise Battante. Et c'est toi qui vas venir dire que oui. Hein? Mon grand frère, Lolo Foja, je te soutiens aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Ça partit de Lolo Foja, comment je te fomponner. Que tu es méchante. Tu comprends? Voilà, ta soeur, hein, qu'avait une, soi-disant qu'avait une sorte de turbulence au pays, tu es ici, avec ta comafo, hein, wawok, bina politique, big up à la neige, papa, et à nous, maman, la femme à la dentition, bebla, la brèche de ça, le charisme de ça, et voilà donc les femmes qui t'ont aidé, parce que tu as toujours été dehors, une femme avec deux coups, avec des seins, hein, qui dit que oui, mais le compresseur, toujours les gros noms. Hein, mais ne dit, c'est, hein, ton nouveau nom là, hein, tu ne sais même pas là où tu as échoué. Diamant. Et les femmes qui ont des peaux saines, hein, qui n'ont pas encore été fracassées par les produits, vont dire quoi? Mais ne veux diamant de. Et tu choisis le diamant le plus cher, diamant bleu. Eh, hein, compresseur, pourquoi tu manques toi-même? Pourquoi l'Élysée d'Akourou te manque? Hein, c'est elle maintenant, diamant bleu, diamant, tu sais comme diamant bleu, une vieille peau, les Adakourou, une vieille peau, hein, que si vous ne caressez pas vos doigts, je suis à 221, mais calga avec cette église, mais calga, caressez vos, je ne veux plus voir les directs, hein, à la fin de mon direct, j'ai 4000 personnes qui ont regardé, avec 30 ou bien c'est combien de réactions, réagissez, je sais que je suis marrant, je sais que vous êtes concentré, je suis marrant, mais caressez vos jolis doigts. Pas les doigts de compression, les goudins. Même là, c'est comme des petits goudins, il faut voir. En même temps, on voit des phalanges. Hein? La peau de compression est tellement usée avec des produits. Ça veut dire, compression, on ne peut plus. Même, caressez vos jolis doigts. Mais j'aime vous, les femmes là, si vous ne caressez pas vos jolis doigts, je dis que ça, c'est une classe parmi vous. Même vous, les followers, vous souffrez comme ça, vous vous bagarrez en commentaire. C'est les gens comme ça. Après, elle va venir dire que oui. Hein, mettez les cœurs, mettez, que si vous ne mettez pas les cœurs, hein, sécurisez le direct. Ah non, mais sécurisez le direct. On va mettre les cœurs sur quoi? Hein? Tu as envie de te vendre toi-même. Alors que, Bernadette, je ne vais pas, et vos consorts ont sorti, là où tu framponnes ta cour, même moi-même, que tu en veux, toi-même, tu deviens Anaconda, Mamie Mbouma. C'est-à-dire, tu vas arracher le titre, tu veux tout arracher à Flo. C'est elle qui est considérée comme Mamie Mbouma. Voilà. Et toi, maintenant, tu dis que, attends, bien, fait que laisse, ne prononce même plus. Je suis en train de la vallée. Ya, oh, man, bois, en roulata. Eh, ah, Seigneur.
Je vais quitter le bloc camerounais, je retourne là où j'étais. Attendez, je cours vite, sinon ça va se couper. Je vais quitter, je repars en Côte d'Ivoire, ça me dépasse, je risque d'avoir des petits bobos à ma vieillesse, ça me dépasse. Mais Jean, regardez-moi celle-là, hein? Une macrocéphale, une idiote de potence, une gars qui ne sait ni lire ni écrire à Cana. Hein? J'ai l'intelligence du village comme de Komamou. Ah, y en a nuit là, tu peux être intelligent comme moi. Hein? Tu connais même de Komamou. Et ça, vipera, je dis ça, on est vipera. Ok? Vipera, quelle est cette femme, hein, qu'on trompe avec 50 euros, hein, et tu viens faire du sale, après tu vas venir nous dire que oui, hein, c'est parce qu'il m'a envoyé sur l'argent que j'ai fait du sale. Aïe, ah, nous, Ilan! N'importe quoi. C'est toi qui manipulais le gang fait là. C'est toi. Ouais, il nous voit. Bête. Tu crois que toi, il est clair, tu es tout. Hein, tu es tout. Hein, tu peux dire quoi? Tu peux donner quel conseil? Ouais, ok. Mais Jean, tu peux donner quel conseil? Ou les amis conseillent Mbé? Attendez, mes gens. Sinon, ça va se couper. Ou les amis conseillent Mbé? Quel conseil que tu peux donner? Hein, Mandata? Il y a Yanni Lang. Faut que tu dégages. Ou, si tu ne veux pas revenir, tu comprends? Hein? Comme une vraie femme, hein? Va chercher à voir d'abord tes propres moyens. Parce que quand un mendiant qui passe le temps, un mendiant obligé, tu vas toujours faire que des mauvaises choses. Il y a Yanni Lang. Tu es comment même? Hein? Ou le dit, allez, on m'a venu écouter les voix de mon grand frère. Tu as oublié que pour toi aussi, parce que tu fais encore bien ça, il profite. Hein? Tu crois quoi? Tu es considéré comme celle-là. Ton grand frère te donne 50 euros. Tu pars bailler 2 kilos de maquereau, 2 pauvres petits maquereaux pour cuisiner à Thierry. Hein? Tu crois que, yao, les Tatiana connaît. Hein? Il t'a dit que Karine, nickel, la blessure. Est-ce qu'elle fait le Congo ça seul? Elle croit que quand, au lieu de la boucler, on sait sur la toile, même sa propre conséquence, hein? Elle n'est rien du tout. Elle est limitée en tout. Hein? L'onctoire de compression est réelle. Elle coule de partout. Et après, elle va venir dire que oui, ma tête cassée. Hein? Celle-là, elle dit que je coule. C'est normal, non? Toutes les femmes coulent. Non. Pas ta quartier de coulage, là. Le repassage. Ton sang sort de partout. Pas seulement dans tes lasses. Tu comprends? N'importe quoi. Idiote. Moi, je profite de mes soeurs. J'ai toujours dit, dans un bloc, là où il y a des femmes et les hommes, c'est les femmes qui sont plus vues. Et nous aussi, il faut les faire auquel les attaquer à la cour pour profiter aussi de leurs fidèles. Moi, j'ai mon église, j'ai des livres, je soigne. Hein? Il y en a beaucoup qui sont dans les teams. Elles sont malades. La dépression. Hein? La dépression, tout ça là. Ici, thérapie à Nemo. Luc Eboué. Oui. Quand tu arrives, tu commandes déjà à prononcer les gros noms de Luang que moi je connais, au lieu de la boucler. Prononce encore un nom. Là, à Rouen, prononce encore un nom. J'ai dit, c'est à l'ambassade maintenant, il veut te framponner à Rouen. Ouais. Et Thierry là, il viendra consommer avec moi. Est-ce que tu comprends? Thierry a appelé du Camer, non? Là, tu vois, il y a que Thierry m'a appelé pour me dire que, hein, lui-même, il sait. Ayem. Hein? Thierry est venu ici, il était sur Havre. Hein? Il était sur Havre avec les colis et consorts. Hein? Attends. Hier, là. Hein? Dominique Moussa, big up. Hier, là. Il a dit, si l'Afrique n'advance pas, ça va être ta qualité de femme. Parce que, il a dit, le monde ne peut pas avancer sans vraie femme. Que tu sois femme au foyer. Ok? Si c'est toi, ouais, bien, c'est toi qui accouche, c'est toi qui éduque. Tandis que, le moyen est dehors pour vous ramener. Pour venir mettre au frigo, au congélateur. Ça veut dire, si tu n'es pas celle-là, la plupart de vos enfants ici sont où? Compression, tu parles de qui c'est canadienne? Non, elle s'est filmée déjà avec Naomi Campbell. Montre-moi une vidéo là où canadienne a déjà fait ton atalakou, que j'ai eu une bonne mère. Ok? Canadienne t'a framponné
Parce que tu étais parti voler le mari hein, d'une sœur qui est en train de t'aider. Elle t'avait framponné. Et même Gagou là, tu vas lire là. Ouais, là, menti. Tu comprends? Tu fais du sale depuis l'âge de 7 ans que tu as refusé les conseils de maman. Jusqu'aujourd'hui, tu fais mal à maman. Tu n'as pas écouté ses conseils hein, pour savoir lire. Ça veut dire aucun parent, hein, même au début, c'est souvent le supérieur. Parfois, les parents n'ont pas l'argent. Mais l'école primaire, là, il y a bien Gina Compessor. Hein? 2 plus 3, 23. Et toi, tu es venu parler parmi les femmes. Toi qui mets la tête de mort là, à Yann Amilan. Ouais. À Yann. Allez, Compessor, va voir. Là, tu sais, l'abbé Samé, lui, il m'esquive. Dougoutiri, il m'esquive. Qui est ton entourage? Qui est ton entourage? Tu peux venir parler. Et là, je sors en direct. Je sors. Ok? Je suis de la diaspora positive. Camerounaise. Oui. Ce n'est pas vous qui dites, c'est moi qui dis. Parce que vous, on ne voit pas ce que vous faites. Nous sommes quoi là, chez les garçons? Il y a Berkay sur ce monde. Il y a Ducamer, il y a moi. Bon, les autres ne sont pas...